on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On est le mercredi 20 juin. Il est 9h30 et c'est dur. Voilà, je vais donner à manger à Mistinguette. Et puis là, il y a mon petit loulou qui vient se réveiller aussi, qui mange son biberon devant Pokémon. Voilà, donc cette nuit, elle s'est réveillée deux fois. Il y a eu 1h du matin, 3h30 et 6h30. Et là, donc c'est un peu dur, voilà, voilà. Là, voilà la choupinette. Mais oui, t'es réveillée, tu l'attends ton bibi. Hein, enfin, ton bibi. Non, c'est pas un biberon. Son petit pyjama qui lui va à peu près, je suis trop contente. Parce qu'il était vraiment... Enfin, il est très grand. En fait, je mets des chaussettes pour le retenir parce que sinon, clairement, ses pieds, ils sont là-dedans, quoi. Cette nuit, il a retrouvé... Tu l'as retrouvé là-dedans, hein, bébé? Qu'est-ce que t'as à dire? On va manger? Bah oui, t'es bien réveillée là. Bah oui, parce que t'as faim. T'as faim. Donc je l'avais mangé et je vous retrouve plus tard. Aujourd'hui c'est le jour du bain, mais il faut lui donner le bain à peu près une demi-heure avant qu'elle mange. Donc ce sera pas pour maintenant, ce sera pour peut-être le repas du midi ou tantôt. À midi, il y a la dame, enfin la puère de la PMI qui vient pour la peser. Donc on verra si elle a grossi, elle a dû grossir. Et surtout si elle atteint les 2 kilos. Voilà, bon, je vous retrouve tout à l'heure quand j'aurai une meilleure tête. Viens, on va tester le nouveau gel qu'on a reçu par Octoly. C'est du Taft. D'habitude, Ethan, il prend ça. Enfin, c'est à papa, hein. Et là, c'est la même marque, mais c'est une pâte ou une cire. C'est une pâte densifiante. Donc, on va tester ça. C'est super rigolo. En fait, on dirait de la poudre. C'est trop bizarre. Tester un peu? Oui. You gotta listen up, listen up. There's not a thing that I can pick. Est-ce que j'aime bien ça? Est-ce que tu te trouves beau comme ça? Oui. Je te trouve très beau. Faudrait juste qu'on retourne chez David pour recouper un peu les cheveux parce que. Dites-moi tout, ça pousse beaucoup. Hein. Moi, je te préfère les cheveux courts. Ah, oh. Tu te trouves beau? Regarde, c'est là. Regarde là. Est-ce que t'es beau? Oui. Hop, touche pas la pâte chérie parce que ça colle quand même pas mal. C'est pas mal la texture, j'aime bien. Ouais, papa il essaye lui sur ses cheveux. Pourquoi? Bah pour voir ce que ça donne. Allez file beau gosse. On vous reprend maintenant, il est 18h, je suis avec Loulou qui est en galère avec son vélo. J'ai été à Carrefour Market chercher des couches, vous avez vu vite fait, il y a pas de taille zéro, hein, voilà. Il y a Carrefour qui fait des tailles zéro, mais ils ne les ont pas ici à ce Carrefour Market. Mais bon, du coup, j'ai récupéré ma commande Amazon avec les couches Préma, je vous montrerai tout à l'heure. T'es costaud. Oh. Attention à tes pieds. Porte. Vas-y. Ah, oh, ça devient le dire, oh, ça devient le dire, ça fait au moins 6 fois qu'il le fait là. C'est pour aller à la muscu avec papy? Tu peux te faire dans la vidéo? Oh oui. Ah, on la réveille, la choupinette? Hein? Elle va manger. La réveille? Oui. Coucou ma princesse. Need a sign from above. Okay. I just want to be somebody. Pour les couches, j'ai réussi à trouver du coup sur le site Amazon des couches zéro pour l'instant. Je voulais vous remercier de m'avoir conseillé pour les couches. J'ai vraiment pas du tout pensé qu'on pouvait les commander en pharmacie. J'ai pas du tout pensé à ça, voilà. Et là, du coup, avant que vous me répondiez, j'avais déjà trouvé sur Amazon. J'ai commandé 2 petits paquets comme ça. Sauf qu'ils vendent 10 euros le paquet, enfin 9,90 euros et des poussières. Donc je me suis un peu fait avoir, puisque vous m'avez envoyé des liens de pharmacie où ils sont à 4 euros et quelques. Et donc là, j'ai payé, du coup, j'avais un avoir de 10 euros sur Amazon, donc j'ai payé 10 euros les deux, mais sinon c'est 10 euros le paquet, donc je me suis fait avoir. Et voilà, niveau taille, ça va vraiment beaucoup mieux lui aller. Ah ma bichette! Bah oui, mais merci tout le monde pour les couches.
Puis j'espère que bientôt on n'en aura plus besoin parce que bientôt on fera 2 kilos. Alors je vous reprends avec une tête différente puisqu'on est un jour différent. On n'est même pas le lendemain mais le surlendemain. C'est-à-dire qu'on est vendredi 22 juin. Je ne sais plus du tout sur quoi je vous ai laissé. Bref, donc là on est déjà l'après-midi. C'est 16h, c'est l'heure du goûter. On a été chercher un petit truc pour ce soir. On se fait reprendre amoureux, Ethan et moi. Et Théa bien sûr, mais elle ne mange pas... Elle ne mange pas, hein, elle boit du lait. Donc là on s'est pris des petits gâteaux, Ethan voulait un petit gâteau, je vous montre. Donc Ethan voulait une religieuse, il voulait au café mais je lui ai pris au chocolat bien sûr puisque je pense pas qu'il mange au café à son âge et moi je me suis pris un petit crousty fraise, on verra bien ce que ça vaut. Voilà, donc là on va manger ça, c'est le programme du goûter. C'est lequel le tien? Ouais, je te le coupe. Oui. Oui, hein, c'est mieux. Bah oui. Bah oui, et la Miss Théa, elle fait encore dodo, là on est rentré de la... La balade, enfin la balade. Oui mon cœur, donc elle va se réveiller doucement et manger après moi. Je vous épargnerai la scène, mais cette petite jeune fille vient de faire un caca partout dans la salle de bain. Ça a sauté sur le mur, enfin il y en a eu partout. Oui oui, tu peux faire l'innocente ma puce. Alors ça c'est la petite tenue que Frédéric a offert qui lui va vraiment bien. La robe était trop grande au début, bon c'est grand quand même, hein, mais ça lui va bien et le petit truc en dessous lui va pile poil. Bientôt il sera trop petit. Oui oui. Voilà, elle est toute apaisée, évidemment, après ce qu'elle vient de faire caca. Elle a fait caca où, ta sœur? Elle a fait caca où? Sur les toilettes. Sur les toilettes? Oui. Et sur le mur? Oui. Oh, partout, elle a tapissé la salle de bain. Oui. Voilà, et du coup, dans la nacelle, je peux lui mettre ça, son petit truc qui a été fait et offert. Enfin, pas fait, offert par Jennifer et fait par une tricoteuse. Enfin, on la couvre pas parce qu'on va la mettre dans le cosy. Mais voilà, elle est bien. Voilà, elle est bien, elle a fait un gros caca, elle est bien. Alors, je viens de coucher mon grand petit monstre et du coup, la petite Miss à côté ne mange que d'ici une demi-heure, donc j'ai une demi-heure de répit, on va dire. J'ai fait le tour des colis que j'avais à récupérer, soit à la boîte aux lettres où je me fais livrer mes colis, soit dans les points relais. Donc hier, j'ai déjà reçu un pyjama. Vous savez, j'avais commandé sur Vinted des pyjamas Préma pour ma puce. Celui que j'ai reçu hier m'a l'air tout petit, mais il est trop beau. J'espère qu'il va pouvoir lui aller au moins une fois. Et là, j'ai reçu celui-ci, donc sur Vinted. Et il est crado, le truc. Il y a des taches un petit peu partout. Il était comme ça dans le carton, en train de se balader. Donc, super évaluation qui attend la nana. Et par contre, il est grand pour un Préma. Il est vraiment grand. Ça fait un essence. Donc, je suis un peu déçue. Bon, elle le mettra, hein, mais un peu déçue qu'il soit si grand. Ça, après, elle y est pour rien. J'ai aussi reçu de Vinted pour Ethan une veste en cuir. Alors, on va voir ce que ça donne. J'espère que je ne vais pas être déçue. Ah, c'est celle de chez Kiabi. Je l'avais repérée il y a un petit moment. Ça ne doit pas être de cette année. C'était pour mon neveu qu'on l'avait repérée. On voulait lui prendre une veste en cuir. On s'est dit que peut-être ses parents, donc ma belle-sœur, mon beau-frère, n'allaient pas apprécier parce qu'ils n'ont peut-être pas spécialement les mêmes goûts que nous. Donc voilà, la petite veste en cuir qui, ma foi, m'a l'air neuve. Elle a l'air vraiment neuve. Elle n'a pas dû être portée. Donc c'est du 4 ans. Il mettra ça pour la rentrée, pour cet automne. Voilà, j'ai hâte de voir comment ça va lui aller. Je ne sais pas si ça va lui aller ce style. On verra, mais Gauthier va être fan aussi. Ensuite, de la part d'Octoly, j'ai reçu un petit colis de la part de Merci Andy. J'ai jamais reçu des produits de cette marque. Donc, vous savez, c'est la marque des gels antibactériens pour les mains. Là. Et leurs colis sont plutôt chouettes. Vous avez un carton comme ça avec des petits messages. Il y a écrit « Coucou, tu es renversante ». À l'intérieur, c'est écrit « PS, on t'aime ». Voilà, donc ce que j'ai demandé, enfin à la base je leur ai demandé surtout si je pouvais l'utiliser en allaitant, ils m'ont jamais répondu, ils m'ont envoyé directement le produit, c'est pour blanchir les dents en 14 jours, puisque là, ça se voit peut-être pas en caméra, ça semble toujours extrêmement blanc ou quoi, mais je n'ai absolument pas les dents blanches, j'ai les dents plutôt jaune-grise, je fume pas ni rien, je bois pas de café, je bois pas de thé, mais j'ai pas les dents blanches, voilà, donc je suis assez frustrée. Là c'est où que j'ai vu 99% d'ingrédients d'origine naturelle et c'est fabriqué en France. Donc je pense, du coup ils m'ont pas répondu, mais je pense que 99% d'origine naturelle, du coup c'est pas méchant pour l'allaitement. Je vais quand même bien lire de partout. J'aime bien la petite boîte, c'est bah, justement le packaging en carton comme ça, ça inspire les trucs naturels et tout. Et donc je vous redirai quand je le testerai un peu comment que ça fonctionne.
Et donc le meilleur pour la fin, c'est un petit paquet comme ça que j'avais trop hâte de recevoir. On m'a gentiment proposé de tester un site avec des créations, vous voyez, genre attaches tétines, tétines personnalisées, doudou personnalisé, plaid, etc. Les attaches tétines en perles en bois ou en silicone, parce que je connaissais pas en silicone. Donc voilà, du coup, la personne, la créatrice m'a gentiment proposé de choisir un article sur son site qui est, je vous le noterai ici, Créa Anne. Ou année, je sais pas trop comment on le prononce, je vous l'écrirai, ça sera plus simple. Je sais pas vraiment comment on le prononce, mais voilà. Un site assez chouette avec moi, ce qui m'a fait craquer, c'est les attaches tétines, puisque j'en voulais un pour Théa, donc ça tombe super bien. Comment vous dire, je l'ai reçu en 2 jours, peut-être même avant, je sais pas. Enfin, franchement, ça a été ultra rapide entre le moment où je l'ai choisi. Je vous avais demandé sur Snapchat, j'hésitais entre 2 modèles. Et le moment où je l'ai reçu, bah, ça a été extrêmement rapide. Donc ça arrive dans un petit paquet comme ça. Et je vous montre. Hop, ensuite c'est emballé. Je ne sais pas si vous voyez le petit paquet comme ça. Et comment vous dire, je suis amoureuse de l'attache tétine. Je vous montre tout de suite. Donc voilà, je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit. Voilà donc l'attache tétine. Les perles sont en silicone. Donc c'est souple. Enfin c'est souple, oui c'est souple, c'est mou, c'est pas comme les perles en bois. Et c'est trop joli, j'adore ce rose pastel. Il y a les perles blanches qui sont en effet marbrées, il y en a 2. Donc je sais pas si vous voyez bien. Ça c'est pour attacher sur la tétine. Et puis par contre le fermoir qui est ici, le fermoir lui est en bois. Je pensais qu'il serait en silicone, j'étais curieuse de voir, mais non, le fermoir est en bois. Donc l'avantage c'est que par exemple par rapport à l'attache tétine en bois, je peux pas vous montrer parce qu'il est dans la chambre d'Ethan, mais ça fait pas mal. Si l'enfant se prend un coup, ça fait pas mal, il y a que ça qui fait mal du coup. Et aussi je pense que l'enfant peut le mettre à la bouche, parce que Ethan souvent mettait le sien à la bouche et c'est pas très bon, hein. En plus ça peut abîmer les perles ou quoi, bon ça l'a jamais fait par chance, mais là voilà, je pense que ça peut être mis à la bouche parce qu'il y a aussi des, elle fait aussi des petits anneaux de dentition, choses comme ça, enfin des petits hochets à mâchouiller avec les mêmes perles, donc je trouve ça vraiment chouette, franchement il est magnifique. Le modèle, si je dis pas de bêtises, c'est papillon blanc. Je vous renoterai au pire des cas si je me suis trompée. Je vous mettrai le lien de cette attache tétine là, plus le lien du site pour que vous découvriez un peu son site en barre d'infos. Et vous avez un petit code promo de 10% sur votre commande, qui est valable pour le mois de, pour fin juin, début juillet. Enfin, je vous noterai au pire des cas, mais une bonne quinzaine de jours, c'est valable après la sortie de cette vidéo. Voilà, donc je suis trop contente. Je sais pas si ça peut aller sur les tétines de Théa, il y a un petit trou dedans, faut que j'essaye de le passer. Après c'est assez grand pour l'instant pour elle, mais je suis trop fan, franchement il est trop beau. Et ça c'est des superbes idées cadeaux, j'ai des amies qui sont enceintes, je sais pas si elles vont donner la tétine ou pas à leur bébé, mais c'est de superbes idées cadeaux à faire pour des amies qui vont avoir un petit bébé. Voilà, donc je suis trop contente, merci beaucoup, hein, donc franchement merci beaucoup, je suis super contente d'avoir découvert ton site. Je ne dis pas que je ne ferai pas des achats, parce que franchement il y a de très jolies créations, encore plus beaux en vrai que sur les photos du site. Et puis je vais faire des petites photos sur Instagram avec une tétine au bout. Éventuellement je vais aller lui acheter une des tétines pour plus tard, parce que pour l'instant elle a des tétines spéciales Préma, mais je vais aller lui acheter une tétine dans ces couleurs là pour faire de jolies photos. Et puis je suis trop contente, donc n'hésitez pas à aller voir sur son site et puis à commander, hein, franchement. Voilà, donc je vais vous laisser avec des images de Choupinette je pense, et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Il faut aussi que je tourne les vidéos de mon deuxième trimestre de grossesse, même si voilà, ça remonte à très longtemps et tout, mais ça me permettrait de vous raconter un peu comment ça s'est passé, l'hospitalisation etc, de vous parler de mon accouchement et puis faire le bilan des 1 mois de bébé et des 2 mois, puisque la semaine prochaine elle aura 2 mois, donc ça fait énormément de vidéos à tourner et clairement pas le temps du tout, voilà, mais on va le trouver le temps, il n'y a pas de souci. Je vous fais d'énormes bisous et je vous laisse avec quelques images de la puce. Tu râles ? Oh, mon bébé d'amour, tiens ma chouette.